On va faire du... Du Voltaire, mon gars. Du Voltaire. Eh, hey, quoi, man? À Madame Lulin. C'est pour toi, Madame Lulin. Écoute bien ce message, ok? Ok, c'est parti. Eh, quoi, vous êtes étonné qu'au bout de 80 hivers, ma muse faible et surénée puisse encore fredonner des vers, man, et ouais, des vers, man. Quelquefois un peu de verdure sous les glaçons de nos champs. Attends, à toutes les Madame Lulin. C'est à Madame Lulin. Bonjour, Madame Lulin. Ok, on la refait, Madame Lulin. Eh, hey, quoi, vous êtes étonné qu'au bout de 80 hivers, ma muse faible et surannée puisse encore fredonner ces putains de quelques vers, quelquefois un peu de verdure et sous les glaçons de nos champs. Eh, hey, console la nature, mais elle sèche en peu de temps. Madame Lulin, putain, mais écoute ce message, yo. Un oiseau peut se faire entendre après la saison de beaux jours, mais sa voix n'a plus rien à attendre. Oh, ainsi je touche encore ma lyre, oui, qui n'obéit plus à mes doigts. Ainsi j'essaye encore ma voix. Je veux dans mes derniers adieux, disait Tibulle à son amante, attacher mes yeux sur les yeux, te presser de ma main mourante et de faire que Madame Lulin, oui, tu sois bandante. Mais quand on sent qu'on va passer, quand là, putain, avec la vie. Madame Lulin, le freestyle qui passe comme une lettre à la poste. Je sais où. À toi, Madame Lulin. On t'embrasse.